Coucou tout le monde, c'est Tsubaki. Aujourd'hui, on est sur la troisième nuit dans The Binding of Isaac. Donc du coup, je vais vous montrer une petite chose quand même pour les personnes qui seraient curieuses de voir donc la collection que j'ai actuellement. J'ai découvert tous ces objets-là. Donc ceux dans les cases d'interrogation, c'est pas encore découvert, donc il y en a vraiment un sacré paquet. Donc là, vous pouvez voir que j'ai débloqué pas mal de petits objets déjà au préalable, parce que je n'ai encore jamais donc supprimé de sauvegarde que j'avais faite avant en fait de commencer cette partie. Donc j'ai gardé mes parties. Hein, donc voilà. Et puis dans les challenges, par contre, ça c'est des challenges, c'est les choses qu'on peut faire en fait, des objectifs. Donc j'ai pas vraiment compris comment ça marchait. Enfin, je sais que quand on clique dessus, on est envoyé dans l'une de ces quêtes. Après, je sais pas trop comment ça marche. Donc je vous laisserai au cas où me dire en fait. Pour les personnes qui savent un petit peu comment ça se passe, comme ça bah, je pourrais peut-être me lancer une fois dans une de ces quêtes en sachant un peu là où je vais. Voilà, donc du coup allez, c'est parti. On prend toujours Isaac. Sachez que j'ai débloqué aussi un autre personnage, hein. J'ai débloqué Eve. Ça m'a l'air d'être une petite fille aussi. Donc visiblement on n'est pas le seul garçon, on n'est pas le seul enfant, j'ai envie de dire, à aller dans ces caves en fait. Voilà, allez, c'est parti. Direct. Allez, allez. Ah, ça c'est embêtant quand même, étoile d'araignée, ça nous fait ralentir, faut faire gaffe, pas trop marcher dessus. Voilà, une bombe de plus. Horror of the Babylon. Alors, curse up. Ok. Donc la méchanceté qui augmente. Enfin la malédiction, pardon. Ah, j'étais juste pendant un moment. J'étais juste pendant un moment comme ça, c'est tout. D'accord. Ça dure pas longtemps quoi. Alors on m'a dit que en général c'est dans des pièces où il y a trois portes. Où justement il y a des salles secrètes. Alors. Je sais pas comment ça se passe, alors peut-être qu'il y a une salle justement secrète dans... Ah, attendez. Là, j'ai une clé, je peux ouvrir ça. J'ai pas d'argent, c'est génial. Aller là-dedans, c'est pas encore trop ça. On m'a dit qu'en général, les pièces secrètes étaient au milieu en fait de 33 portes. Voilà. Bah c'est bien vrai. Merci. Excellent. En fait, c'est où on prenait des dégâts pour venir ici, ou on passait par là. Donc c'est plutôt pas mal ça. Alors, hop, on passe par là. Allez, le boss. Contre Widow. C'est le machin qui saute ça. Ouais, qui saute même super haut. Et puis il nous crache des araignées, le salaud. Non, je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Je sens que je vais directement claquer quoi. Je sais pas, j'ai une sale intuition. Non. Ah, je suis revenu en mode curse quoi. En mode maudit. Oh, J'y crois pas, j'avais réussi, mais il me restait plus qu'à revenir et puis c'était bon quoi, c'est tout. Oh là là, je joue vraiment comme une petite tub, c'est incroyable. Ah, ça c'est bien. Allez, on continue. On se laisse pas abattre, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin qu'on voit des bombes dans tous les sens là? Non mais, allô quoi. Va te tuer! Là! Alors, oh the fool. Ok, téléport. Très bien. On saura que Haut de Foule c'est un téléport. Hop là, allez.
Alors, faire péter ça, on va prendre une clé. Thank you. Qu'est-ce que tu crois là? Ah, j'ai encore une clé, excellent. Qu'est-ce que je peux faire? On va aller là-dedans, on va voir ce qu'il y a. Un pieu! Dommage et plus de vie. Donc là, il nous fait des grosses gouttes. Super énervé. En train de chialer. À fond. Pièce secrète, oui ou non? Là. Alors, il doit, je pense, à mon avis, c'est en 3 pièces normales pour les pièces secrètes. À mon avis. Hein. Après, je peux peut-être dire de la merde, mais je pense que c'est ça. Hop là. Ah, faut pas que j'oublie que j'ai des clés aussi. Mais j'ai pas d'argent. Waouh. Ah, pièce secrète, alors peut-être ici. Voyons voir ça. Oh, j'ai plus de bombes. Ah, je suis dégoûté. Plus rien à faire, bon bah voilà. Voilà, voilà, j'ai loupé la pièce secrète pour ce niveau. Enfin, je pense, hein. Allez, on va se battre contre le boss. On va y arriver dans Dudzu, hein. Ah oui, contre Pin. La Pin. Il y a des méthodes pour battre certains boss qui fonctionnent plus ou moins bien. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Ah! Je crois comment je t'ai esquivé, toi. Ah! Oh, je cours sur la seule petite boule qu'il y a, quoi. Je suis dégoûté, je fais n'importe quoi. Wow! Tu vas mourir, oui. Yes, on t'a eu. Alors Max, lunch, HP up, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, ah non, j'ai toujours pas de bombe en fait, c'est dommage. Voilà, voilà. Pas de PQ. C'est reparti. Ah, pièce secrète. Mr. Boom. Qu'est-ce qu'il nous procure ce Mr. Boom? A mon avis, ouais, je vais essayer de l'utiliser dans un endroit où il y aura beaucoup d'ennemis. Oh là là, mais... Qu'est-ce que ça me donne ça? Tears down. Oh non. La vitesse de mes larmes sont plus lentes. Ah! Oh, j'ai pas fait gaffe qu'il pouvait traverser le. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas fait gaffe à ça. Voilà ce qui se passe du coup. J'ai pas de bombe! Non! Tu me fais pas bobo! Ah! Ah! Oh, c'est vraiment juste, hein, cette histoire là. Qu'est-ce que c'est? C'est un X-Well of Fortune, la roue de la fortune. Ça me redonne une pièce? Ah! Allez, encore une. Mal de tête. Non, mais ça va le chalet ou bien. Méchant ce truc. Bon, par contre, il me reste pas beaucoup de. Bah, déjà, il me reste aucune pièce. Déjà.
Faut vraiment que j'apprenne à les économiser mes pièces hein. On l'aura pas lui, il est emmerdant hein. Ah mais attendez. Voilà. Godhof, ok. Où c'était que je vais? Ah, peut-être là-haut. Évidemment, on peut pas. Forcément, il faut une clé. Il faut toujours une clé. Yeah, vie, merci. Oh non. Le pire c'est qu'il m'esquive ce truc, c'est un truc de malade ça. Ouais tu viens là, ça suffit maintenant. Voilà, t'arrêtes de te foutre de moi. Voilà. On l'a eu. J'ai pas de bombe, c'est génial. Je ne peux rien faire. Bon, c'est pas génial, hein. Franchement, j'ai vraiment pas trop de chance là, sur cette partie de nouveau. Bon, bah je crois qu'il me reste plus qu'à aller chez le boss. Ah bon, bah ça va, Duke of Light, je pense que c'est encore faisable. J'ai déjà battu 36 millions de fois, allez, on va y arriver, on y croit. Bon c'est chiant là, mais la vitesse de mes larmes est pas vraiment rapide. Tu me fous la paix, oui petit méchant. Aïe non, je me fais toucher bêtement, je suis nul. Remboursé. Oh, oh là là. Mamma mia. Attention, voilà. T'approches pas. Foutez-moi le camp. Non. Non, je t'aime pas. Non, je t'aime pas non plus là. Oh là là, mais je mets 3 plombes pour le tuer, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon allez, là, fil de rigoler là. Là, on va la sceller de coups là. Tcha. Oh. Tu vas prendre. J'arrive pas à lui enlever de la vie, je suis dégoûté. Voilà. Ah puis en plus maintenant il crache toute la famille derrière. La famille des petits moustiques. Excusez pour le dérangement, j'ai juste besoin de vous tuer 2 secondes là. Mais tu vas prendre, oui. Bon, je récupère de la life déjà. Eh ben enfin, du lait, HP up, breakfast. C'est parfait. Allez, The Cave. Putain, je crois pas que j'ai été encore plus loin que Cave en fait. J'espère vraiment que je vais aller plus loin. Sérieusement, j'en ai marre quoi. Je veux vraiment finir le jeu, j'aimerais bien quoi. Voir ce qu'il y a après. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté des gros moustiques qui se déplacent en groupe. En fait, ils font même pas attention à moi, en fait, ils se déplacent tous en zigzag. Oh là 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 là, mais t'hallucines. Non, reviens. Oh, j'ai failli louper la petite clé. I get the keys. Je me demande si je donne ou pas. Allez, je redonne juste un. Ah, mal de tête. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Nom d'une merde!
Oh, puis les araignées, comment je les aime pas, quoi. Non ! Araignée, non ! Oh ! Oh ! Je vais mourir. On parie combien que je meurs ? En même temps, je pense que c'est un pari qui est assez vite fait. Poussez-vous, non. Bon. J'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de chance, quoi. C'est incroyable, quoi. Franchement, oula, c'est vraiment la poisse, quoi. Bon, bah, j'espère vraiment, dans le prochain épisode, que je vais arriver jusqu'au bout, hein. Franchement, là, on est arrivé à The Cave. L'objectif pour le prochain épisode, c'est d'arriver plus loin que The Cave, ok? Voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode autant que moi. Et puis bah, je vous souhaite passer à tous une très bonne journée ou soirée. Et le principal, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.